Bonjour à tous et bienvenue sur CBMAT. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la correction des dossiers de CAPES de mathématiques 2018 ayant pour thème fonction. Trois problèmes dans cette session 2018. Donc voici donc le premier problème. Dossier CAPES de mathématiques, session 2018, page 5. L'exercice, soit f indice k, la fonction définie sur R, par f indice k de x est égal à exponentielle de x moins k fois x, où k est un réel quelconque. Existe-t-il un réel k tel que l'axe des abscisses soit tangente à la courbe représentative de la fonction f indice k? Les réponses de deux élèves de terminale scientifique. Élève 1. J'ai utilisé un logiciel de géométrie dynamique pour que la courbe représentative de f de x est égale à exponentielle x moins k de x soit tangente à l'axe des abscisses, il faut que k est égal à 2,7. Élève 2. On sait que la fonction fk admet une tangente à l'axe des abscisses en A. On a donc fk prime de x est égal à exponentielle de x moins k. Et donc, fk prime de a est égal à 0 implique que exponentielle de a moins k est égal à 0. On sait que fk de a est égal à 0 et fk prime de a est égal à 0. Donc fk de a est égal à fk prime de a. Cela implique que exponentielle de a moins k est égal à exponentielle de a moins k a, si et seulement si a est égal à 1. Maintenant, il faudrait trouver k. Le travail est exposé devant le jury. 1. Analysez le travail de ces élèves en mettant en évidence leur réussite et leur éventuelle erreur. Vous préciserez les aides que vous pourriez leur apporter. 2. Présentez une correction de l'exercice telle que vous l'exposeriez devant une classe de terminale scientifique. 3. Proposez deux exercices sur le thème fonction permettant notamment de développer les compétences modélisées et calculées. Analyse didactique du dossier. Alors, deux élèves. 1. Présente une conjecture sur un logiciel de géométrie dynamique, et le deuxième nous propose une démonstration en utilisant les dérivées. Donc, premier élève, qui fait la conjecture sur un logiciel de géométrie dynamique, utilisation d'un logiciel de géométrie dynamique pour les notions utilisées, donc il a tracé la courbe représentative et il a vu la tangente. Les compétences à valider, chercher, modéliser, représenter. Alors on pourrait lui reprocher comme erreur, il a oublié ici un k, f indice k de x, mais sinon c'est une bonne conjecture pour la valeur de k, mais il n'y a pas de démonstration. Donc pour l'aider, on pourrait lui demander de donner l'équation de la tangente en a, donc l'équation de la tangente à la courbe représentative cf k, donc en a, et quelles sont les conditions pour que l'axe des abscisses soit tangente à la courbe représentative. L'élève 2, donc il a essayé de faire une démonstration. Les compétences validées, chercher, modéliser, calculer, raisonner, communiquer. Donc il a calculé des dérivées et équation de la tangente. Donc ici en filigramme, on a fk de a est égal à 0 et f de k est égal à a égal à 0. Donc implicitement, il a trouvé ici l'expression de l'équation de la tangente en a à la courbe cfk. La fonction fk admet une tangente à l'axe des abscisses en A, donc ça c'est mauvais choix de vocabulaire, c'est la courbe représentative qui admet une tangente. Il ne trouve pas de la valeur de k telle que l'axe des abscisses soit tangente à celle de k, et il y a une mauvaise utilisation des connecteurs logiques, il mélange implication et si et seulement si. Il faudrait résoudre séparément, donc f de k a égale à 0 et fk de a égale à 0. Alors avant de proposer la correction, on va faire une petite conjecture graphique. Donc on va noter k, on va mettre un curseur, donc ici k 0 jusqu'à 5 avec 0, 0. On va taper l'équation exponentielle fois x moins k fois x. Voilà. Et donc on regarde quand est-ce que y égale à 0 est tangente à la courbe. On peut faire maintenant varier k. Ici. Voilà.
et on trouve ici que en k est égal à 2,71, donc ça c'est la valeur trouvée par l'élève 1, donc en 2,71, vous voyez, l'axe des abscisses est tangente à la courbe, et ensuite, non. Et donc, on va donc démontrer cette conjecture. Donc, conjecture. CFK est tangente l'axe des abscisses quand K est égal à 2,71, donc ici, k va être égal à f(2). Alors, démontrons la conjecture que CFK est tangente à l'axe des abscisses si et seulement si k est égal à exponentielle de 1. Alors, tout d'abord, on va exprimer donc l'équation de la tangente T à CFK au point d'abscisse x est égal à 1. Alors, on rappelle que fk, f indice k de x, est égal à exponentielle de x moins k fois x. Ainsi, la dérivée est égale à exponentielle de x moins k. Maintenant, si on fait l'image de a par la fonction fk, ça fait exponentielle de a moins k fois a, et l'image de a par la fonction f'k, c'est égal à e de a moins k. Donc l'équation de la tangente t à cfk au point d'abscisse x est égal à a est donnée par y est égal à f'k de a, x moins a, plus fk de a. On a ainsi exponentielle a moins k, facteur de x moins a, plus exponentielle de a moins k a, on développe, exponentielle a de x moins kx, moins exponentielle a fois a, moins k a, moins plus k a, plus exponentielle a moins k a. On voit que k a, on s'est éliminé. On va se retrouver avec, donc ici en x, e de a moins k, e de a moins k x, moins, en plus, e de a, facteur de 1 moins a. 1 moins a. Ainsi, si on note ox l'axe des abscisses, eh bien, t est égal à ox, donc ox a pour l'équation y est égal à 0, t est égal à ox, si et seulement si. Eh bien, exponentielle a moins k est égal à 0, exponentielle a 1 moins a est égal à 0. Or, exponentielle de a est différente de 0, toujours supérieure ou égale à 0. Donc, ici, cette équation c'est 1 moins a égale à 0. Exponentielle de a est égale à k. Donc ici, a est égal à 1. Si on fait passer le a de l'autre côté, a est égal à 1. Et a est égal à ln de k. Donc a est égal à a, 1, 1, et ln de k est égal à a. Ça va vous dire que a est égal à 1 et k est égal à exponentielle de 1. Exponentielle de 1 est à peu près égale à 2,61. Ainsi, CFK est tangente à l'axe des abscisses quand K est égal à 2,71, c'est-à-dire exponentielle de 1. De ces deux CAPES de mathématiques, session 2018, troisième concours, page 1. L'exercice. Une entreprise fabrique des cartons d'emballage.
la production exprimée en tonnes varie entre 0 et 10. Pour l'entreprise, le coût correspondant à la production de X tonnes de carton, exprimé en milliers d'euros, est modélisé par C de X est égal à 0,5 X au cube moins 3X au carré plus 5,5X moins 2. On appelle coût moyen la fonction CM définie sur l'intervalle 0, 10 par CM de X est égal à C de X sur X. L'entreprise vend ses cartons au prix de 40 milliers d'euros la tonne. Que pensez-vous de l'affirmation ? Le bénéfice est maximal lorsque le coût moyen est minimal. Justifiez la réponse. Les réponses de deux élèves de terminale STMG. Élève 1. J'ai tracé sur l'écran de ma calculatrice la courbe de chacune des deux fonctions. Le coût moyen est minimal pour 3 tonnes de carton et le bénéfice est maximal pour 7 tonnes de carton. Donc l'affirmation est incorrecte. Élève 2. CM prime de x est égal à x moins 3 plus 2 sur x au carré, égal à x au cube moins 3x carré plus 2 sur x au carré, est égal à x moins 1 facteur de x au carré moins 2x moins 2 sur x au carré. Delta est égal à 2 au carré moins 4 fois 1 fois moins 2 est égal à 12. Donc il y a deux solutions. X1 est égal à 2 moins racine de 12 sur 2 fois 1, à peu près égal à moins 0,73. Et x2 est égal à 2 plus racine de 12 sur 2 fois 1, à peu près égal à 2,73. Le coût moyen est donc minimal pour 2,73 tonnes de carton, mais je ne sais pas calculer le bénéfice. Le travail exposé devant le jury. 1. Analyser les productions de ces deux élèves en mettant en évidence leur réussite et leur éventuelle erreur, ainsi que l'accompagnement que vous pourriez leur proposer pour les aider. 2. Exposer une correction de l'exercice telle que vous la présenteriez devant une classe de terminale STMG. 3. Proposer deux exercices sur le thème fonction, l'un au niveau collège, l'autre au niveau lycée, permettant de développer la compétence modélisée. Alors, ici, deux élèves nous donnent des productions. L'un fait une modélisation sur une calculatrice, l'autre essaye de démontrer l'affirmation. Donc si l'affirmation est juste ou fausse. Alors le premier élève, il a tracé la courbe sur l'écran de sa calculatrice. Le coût moyen est minimal pour 3 tonnes de carton. Le bénéfice est maximal pour 7 tonnes de carton. Donc, l'affirmation est incorrecte. Donc là, il nous donne de bonnes valeurs. Les arrondis mériteraient d'être précis. Et attention, ici, on verra tout à l'heure qu'il faudra changer l'énoncé pour que ce soit cohérent. Attention, ici, on parle de minimum relatif pour le coût moyen. Donc, maintenant, il faudrait démontrer cette conjecture. L'élève 2, donc il a fait une démonstration. Compétence validée, chercher, calculer, raisonner, communiquer. Il a fait le calcul de la dérivée C'm pour une recherche d'un extrémum. Alors, ici, attention, il calcule l'état, donc il y a deux solutions, mais solution de quoi ? Quelle équation va-t-il résoudre ? Il ne sait pas aussi calculer la fonction bénéfice. Donc pour cela, il faudrait lui donner ou lui faire chercher la définition de la fonction bénéfice. B de x est égal à rx moins cx. Et, bien entendu, il faudra lui faire relire l'énoncé pour trouver la recette et le x. Donc voici pour l'analyse didactique. Correction de l'exercice. Alors, on va d'abord tracer les différentes fonctions qu'on veut, le maximum du bénéfice et le minimum du coût moyen. Donc, on va tracer ces fonctions sur une calculatrice. Alors, on va mettre fonction. Donc on va mettre 0,5x au cube puissance 3 moins 3x au carré plus 5,5x moins 2. Alors ici la recette pour chaque tonne de carton d'emballage vendu, l'entreprise récolte 40 milliers d'euros. Ici ça va être 40x. Pour h de x, donc c'est la vette, le bénéfice. Bénéfice est égal à recette moins coût. Donc ici, on va pouvoir faire recette moins le coût. 0,5x au cube moins 3x au carré
plus 5,5x moins 2. Voilà. Et pour le coût moyen, eh bien on prend 0,5x au cube, 0,5x au cube, moins 3x au carré, plus 5,5x moins 2. Et en le tout, on va le diviser par x. Donc on va ici diviser par x. Voilà. Donc on retrouve les deux fonctions. Voilà. En vert, donc bénéfice, en jaune, ici ça va être le coût moyen. Calculer le maximum du bénéfice, donc ça va être 7,1962. Et le minimum, alors ici il faudrait remettre les axes, donc on va mettre 1 à 10, on va dire. On veut le minimum, donc ici, minimum 2,7321. Donc on voit déjà que le bénéfice est maximal lorsque le coût moyen est minimal, cette affirmation est fausse. Donc d'après la calculatrice, on va démontrer que l'affirmation est fausse algébrique. Alors on va rappeler les différentes formules. Alors on a C de x est égal à 0,5x au cube moins 3x au carré plus 5,5x moins 2. La recette, c'est 40x. Donc le bénéfice P de x est égal à R de x moins C de x. Donc R de x est 40x moins C de x. 0,5x au cube moins 3x au carré plus 5,5x moins 2. Alors, on peut distribuer le moins dans la parenthèse. Ça nous donne moins 0,5x au cube moins par moins plus 3x au carré plus, donc moins 5,5, mais il y a un 40, donc plus 40 moins 5,5, x moins 2. Moins pas moins, plus, donc plus 2. Donc ici on aurait moins 5x au cube, plus 3x au carré, plus 40 moins 5,5, c'est 34,5x, plus 2. Alors, on veut le maximum, donc max de b de x, max de b de x. Donc on veut b prime de x égale à 0, donc b prime de x est égal à donc moins 0,5 fois 3x au carré plus 3 fois 2x plus 34,5. Donc ici on aurait moins 1,5x au carré plus 6x plus 34,5. On fait b prime de x est égal à 0. Là on peut calculer delta, b carré 6 au carré, moins 4 fois 34,5 fois moins 1,5. 36 moins 4 fois 34,5 fois moins 1,5. On va trouver moins 207, donc plus 207. Ici, on va trouver 243. Donc c'est positif, racine carrée de delta, c'est racine carrée de 243, donc racine de 3 puissance 5, donc ici on peut faire racine de 3 puissance 4 fois 3, on va trouver 9 racine de 3, donc 2 racines, x1 égale à moins b moins 6 plus 9 racine de 3 sur moins 1,5 fois 2 x2 moins 6 moins 9 racine de 3 sur moins 1,5 fois 2. Donc ici on va trouver sur 3 moins 6 sur moins 3, on va trouver 2 moins 3 racine de 3. Et encore là, 2 plus 3 racine de 3. 3 racine de 3 est supérieur à 2, donc 2 moins 3 racine de 3 est négatif. Donc ça c'est négatif, donc ça ne rentre pas dans notre étude. Et ici, 2
plus 3 racine de 3, on peut calculer rapidement. 2 plus 3 racine de 3. 7,1962. Donc le maximum de la fonction bénéfice est en 7,20. On rappelle, C de x est égal à 0,5x au cube moins 3x au carré plus 5,5x moins 2. Donc maintenant on va calculer la fonction moyen. Donc on va diviser par x, donc 0,5x au cube, x au carré moins 3x plus 5,5 moins 2 sur x. Alors on veut le minimum de cm de x. Donc ici, on va calculer la dérivée. Donc la dérivée, c'est 0,5 fois 2x moins 3 plus 0 moins 2 sur x au carré. Alors moins plus 2 sur x au carré, car la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x au carré. Donc ici, x moins 3 plus 2 sur x au carré. On va le mettre au même dénominateur, x au cube moins 3x au carré plus 2 sur x au carré. Et l'élève 2 avait trouvé une bonne factorisation, x moins 1, x au carré moins 2x moins 2. X moins 1, x au carré moins 2x plus 2 sur x au carré moins 2. Alors, on veut donc le minimum, donc ici cm' de x égale à 0, donc point extrémum de la courbe. Donc ça veut dire que x moins 1 égale à 0, x est égal à 1, et x au carré moins 2x moins 2 égale à 0. Alors ça, on peut faire delta b carré moins 2 carré moins 4 fois moins 2 fois 1, 4 plus 8 égale à 12. Donc c'est positif, donc racine carrée delta c'est racine de 12, c'est positif. Ici on va trouver 2 racines de 3. On a alors deux racines, x1 est égal à moins b, 2 moins 2 racines de 3 sur 2 fois 1, 2. Donc ici on aurait 1 moins racine de 3, x2, 2 plus 2 racines de 3 sur 2, 1 plus racine de 3. Racine de 3 est plus grand que 1, donc ici ça va être négatif, ça ne rentre pas en compte dans notre étude. 1 plus racine de 3, 1 plus racine de 3, ça nous donne 2,732, donc à peu près 2,73. Alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est de savoir est-ce que c'est 1 ou est-ce que c'est 2,73 le minimum. Et on va calculer ça. Cm de 1, eh bien c'est 0,5 fois 1 moins 3 fois 1, donc c'est au carré, plus 5,5 moins 2 sur 1. 0,5 moins 3 plus 5,5 moins 2. 5,5 moins 2. 0,5 plus 5,5 ça fait 6, moins 3, moins 2. On va trouver ici 1. Donc cm de 1 c'est 1. Et cm, donc ici cm de 2, donc de 1 plus racine de 3. Donc c'est 0,5 fois 1 plus racine de 3 au carré, moins 3, 1 plus racine de 3, plus 5,5, moins 2 sur 1 plus racine de 3. Alors, ici, c'est 0,5. Ici, 1 au carré, ça fait 1. Racine de 3 au carré, ça fait 3. Donc 3 plus 1, ça fait 4. Plus 2 racine de 3. Moins 3, moins 3 racine de 3. Plus 5,5. Ici, on va multiplier par le conjugué. 2, on va faire 2 racine de 3 moins 1. Et là, on va trouver, donc ici, racine de 3 au carré moins 1 au carré. 3 moins 1, ça fait 2.
Donc 0,5 c'est divisé par 2, donc 2 plus racine de 3, moins 3 moins racine de 3, 3 racine de 3, plus 5,5, 2 et 2 ça reste, donc ça fait moins racine de 3 plus 1. Donc ici, ça va simplifier, 2 plus 1, 3, moins 3, ça fait 5,5 moins 3 racine de 3, qui est à peu près égal à 5,5 moins 3 racine de 3, 0,30 à peu près. Après 0,30. Et donc le minimum, c'est, donc ici le minimum, local, bien entendu, local, c'est 2,73. Minimum local, 2,73. Pour revenir sur les fonctions, vous voyez que ici, il va y avoir un problème pour cm' de x, parce que si on s'approche de 0, eh bien on va arriver à moins l'infini. Donc ici, c'est un problème particulier, parce que en fait, on considère ici un minimum local sur l'intervalle 1 et 10. En fait, ce qu'on peut faire, c'est au lieu de dire moins 2, il faudrait dire plus 2. Donc ici, on mettrait plus 2, ici, on mettrait plus 2. Voilà. Ici, on aurait à trouver, donc là, on aurait toujours un minimum local. Alors, pourquoi on mettrait plus 2 ici? Parce que en x, c'était en ici, donc ce serait plus 2. Si on met f de 0, en fait, on aurait 0, 0, 0, et si on aurait moins 2, ça veut dire que le coût fixe de l'entreprise, eh bien, ce serait moins 2. Ça veut dire qu'il recevrait 20 euros s'il ne produit rien. Donc là, c'est aberrant. Donc, ce qu'on peut dire, c'est plus 2, comme ça, on aurait un coût fixe positif. Et ici, donc on va, donc la, le bénéfice, c'est 40x moins 0,5x cube moins 3x carré plus 5,5x plus 2. Et coût moyen, ici, on aurait cette fonction-là. Donc le, ici, on aurait un maximum. Donc, maximum, toujours 7,1962, donc on aurait translaté la fonction. Et ici, le minimum de la fonction, coût, minimum, là on trouverait 3,19. Pour terminer cette correction, on pourrait revenir sur les fonctions proposées par l'énoncé. Ici, on vérifie bien, donc le maximum. Donc ici, maximum 7,1962, 219. Et ici, sur l'intervalle, donc on va dire 1, 10. Donc ici, pour le minimum, alors minimum ici c'est 2,73, 0,30. Donc on a résolu complètement le problème proposé. Dossier de CAPES de mathématiques, session 2018, troisième concours, page 4. L'exercice. Dans un magasin de reprographie, il existe deux types de photocopieurs. Le prix des photocopies effectuées en utilisant le photocopieur de type A est obtenu à l'aide de la fonction prix total programmée ci-dessous en langage Python. Le photocopieur de type B fonctionne à l'aide d'une carte vendue 15 euros. Cette carte permet d'effectuer 200 photocopies. Puis à partir de la 201e, la photocopie est facturée 0,01 €. Déterminer en fonction du nombre de photocopies réalisées le type de photocopieur à utiliser. Les réponses de trois élèves de seconde. Élève 1. J'ai créé une fonction affichage B, puis j'ai fait des tests. J'ai trouvé qu'il est préférable de choisir le photocopieur A pour un nombre de photocopies inférieur ou égal à 450. Élève 2. À l'aide d'un logiciel de géométrie dynamique, j'ai tracé les 4 fonctions affines. Après, je ne sais pas comment faire. Élève 3. X est le nombre de photocopies à réaliser. Je résous alors 12,5 plus x moins 200 fois 0,02 inférieur à 15 plus 0,01x. Soit 0,01x inférieur à 6,5, soit x inférieur à 650. Il est préférable de choisir le photocopieur A pour x inférieur à 650.
le travail à exposer devant le jury. 1. Analyser les productions de ces trois élèves en mettant en évidence leur réussite et leur éventuelle erreur, ainsi que l'aide que vous pourriez leur proposer. 2. Présenter une correction de l'exercice tel que vous l'exposeriez devant. 13 de seconde. 3. Proposer deux exercices sur le thème fonction permettant de développer les compétences modélisées et représentées. Analyse didactique du dossier. 3 élèves, 3 productions différentes. Premier élève nous fait un algorithme pour afficher, donc tester quand est-ce que le photocopieur A est plus avantageux ou moins avantageux que le photocopieur B, donc il fait des tests. Et il trouve une bonne conjecture, une bonne valeur pour répondre à notre problème. Bien entendu, il faudrait maintenant qu'il passe à la démonstration avec une résolution d'inéquation. Donc l'élève 1 a fait une conjecture avec des algorithmes de test. Les compétences validées, chercher, modéliser, représenter. Notion utilisée, donc il a programmé un algorithme. Fonction et inéquation, mais à l'intérieur de l'algorithme. Alors, l'algorithme est à préciser. Il faudrait peut-être donner un algorithme de seuil, c'est-à-dire donner le nombre de photocopies minimales à effectuer pour que la photocopieuse B soit avantageuse, au lieu de faire des tests à chaque fois. Bien entendu, il faudra aussi démontrer la conjecture et la valeur donnée par l'algorithme avec des résolutions d'inéquation. Élève 2. Donc ici, il a tracé différentes fonctions qui répond donc à notre problème ici. Bien entendu, il ne prend pas en compte leur ensemble de définitions de chaque fonction. On verra tout à l'heure, quand on va tracer cette situation par des fonctions affines, il va falloir distinguer des intervalles de définition. Donc il a tracé la courbe représentative d'une fonction affine, pourrait valider les compétences chercher, représenter. Les fonctions affines correspondent aux différentes situations proposées dans le problème et ne tiennent pas en compte de leur ensemble de définitions. Il faudra tracer les fonctions affines sur les bons intervalles. Dernier élève, il a fait une démonstration en faisant une résolution d'une équation. On peut valider les compétences chercher, calculer, raisonner et communiquer. Par contre, 15 plus 0,01x ne correspond pas au prix proposé par la photocopie B. Il faudrait lui faire calculer le prix de 201 photocopies pour la photocopie B, c'est-à-dire à partir de la 201e photocopie, chaque photocopie coûte 0,01 euros. Donc ici, 15 plus 0,01 euros, à comparer avec ce qu'a écrit l'élève. Alors, tout d'abord, on va essayer de faire l'algorithme de seuil pour ici, donc, algorithme de seuil sur avec Python, pour avoir donc le nombre minimal de photocopies à réaliser pour que le photocopieur B soit plus avantageux que la photocopieur A. Avant cela, on va définir les différents prix. Donc, on va noter A de x, le prix, alors A de x prix de x photocopie avec la photocopieuse A, et P de x, le prix de x photocopie avec la photocopieuse B. Alors, A de X est défini par les fonctions tracées ici. Donc, X fois 0,1, donc pour X compris entre 0 et 50. Ensuite, 5 plus 0,05, x moins 50 pour si x compris entre 50 et 200.
est ici. 12,5 plus 0,02 x moins 200 si x strictement supérieur à 200. B de x, alors ici on va pouvoir corriger l'erreur de l'élève 3, ici, ça. Donc c'est 15 si x est compris entre 0 et 200. 0 et 200. Et 15 plus 0,01 x moins 200 si x supérieur à 200. Donc on aura donc les deux fonctions à tracer sur GeoGebra. Et donc ici on va faire avec la calculatrice. Python. Ajouter un script. Photocopie. Alors, ici, on va définir le prix total A. N. Si N est inférieur ou égal à 50, alors, prix A est égal à 0,01 fois n. Fois n. Si n est supérieur à 50 et n inférieur ou égal à 200, alors prix A est égal à 5 plus n moins 50 fois 0,05. Si n supérieur à 200, prix A est égal à 5, alors 12,5, plus n moins 200, fois 0,02. Donc ça c'est ok, et après on pourra mettre print prix A. Maintenant, alors, def prix total B, N, if N inférieur ou égal à 200, et un prix B égal à 0, égal à 15, sinon, if N supérieur à 200, alors prix B, c'est égal à 15, plus N moins 200, fois 0,01. Return privé. Voilà. Maintenant, on prend n égale à 0, tant que while prix total a est inférieur à prix total b. Donc, on veut quand est-ce que b est avantageux. Faire, donc ici, faire n est égal à n plus 1. Alors, c'est pas a mais n. Alors, prix total a, n. Prix total b, n. Et return, n. Alors, on va essayer d'exécuter. Voilà, donc ici on nous retourne 450, donc c'était la réponse de l'élève 1. Donc il a fait donc des tests et a trouvé 450. Donc là c'est une conjecture, donc à partir de 450 retenues, eh bien
la photocopie USB est plus avantageuse. Sur GeoGebra. Alors, ici on pourrait faire fonction 0, 1 fois x pour x compris entre 0 et 50. Donc, ensuite, on aurait 5 plus x moins 50, fonction 5 plus x moins 50 fois 0,05 entre 50 et 200. Voilà, donc on aura cette fonction-là. Et fonction 12,5 plus x moins 200 fois 0,02 avec x compris entre 200 et on va dire 1000. Donc voilà, donc ça c'est pour la photocopieuse A. Maintenant pour la photocopieuse B, les fonctions 15 entre x compris entre 0 et 200 et fonction 15 plus 200 x moins 200 fois 0,01 entre x compris entre 0 200 et voilà. Donc ici on voit cette intersection entre q portion de droite et h, cette portion de droite. Donc on peut faire intersection des deux. Intersection de ça et de ça, voilà. Hop. Et donc l'intersection se fait en x est égal à 450 pour un prix de 17,5. Donc ça confirme la conjecture que nous avons avancée par rapport à l'algorithme. Maintenant, faisons ici notre résolution d'une équation pour démontrer mathématiquement la conjecture. Alors, pour x compris entre 0 et 50, eh bien a de x est inférieur ou égal à b de x. X est égal à 50, on aura a de 50 est égal à, donc ici 0,1 fois 50 ça fait 5, et b de 50 c'est égal à 15. Entre 50 et 200, a de x est inférieur ou égal à b de x, on aura a de 200 est égal à, donc 5 plus 0,05 fois 200 moins 50, 150. 150 fois 0,05, ça fait 7,5. 5 plus 7,5, 12,5. 12,5, alors que B de 200, ici, ça fait 15. Donc maintenant, il faut résoudre l'inéquation. 12,5 plus 0,02x moins 200. Supérieur à 15 plus 0,01 x moins 200. Donc ici, 12,5 plus 0,02 x moins 200 supérieur à 15 plus 0,01 x moins 200. Alors, ici, on aurait 0,01 x moins 200 et 2,5 x moins 200 supérieur à 2,5 fois 100 x supérieur à 250 plus 200 x supérieur à 450. Donc la photocopieuse D est plus avantageuse que la photocopieuse de type A à partir donc de 450 photocopies.